Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau vlog à la suite. C'est la suite logique du. De toute façon, c'est toujours des suites plus ou moins logiques puisque c'est les jours qui suivent. C'est la suite. Comme on est le vlog 987, c'est la suite logique du vlog 986. Nous sommes toujours le 16 avril 2020 et il est 14h25. Voilà. La journée donc avait commencé la nuit, dernière. Ce matin, dans le vlog précédent, avec nettoyage, débarrassage du garage, nettoyage du garage, nettoyage des... comment ça s'appelle? Du petit muret, des grilles, etc. au Karcher, by David and by Alexis, qui s'est éclaté avec ça. Franchement, ça lui a... Il adore. Enfin, pas à n'importe quel âge, mais... Les gamins, même quand il... Bon, lui, il a 13 ans, c'est plus un gamin, mais les trucs avec de l'eau, c'est toujours génialissime. Surtout quand on s'en fout partout, c'est excellent. Bon, là, on peut se permettre, puisqu'il fait très, très chaud, il fait des températures, pour le coup, très estivales. Donc, c'est bien génial. Parce que estival et génial, ça arrive. Descends pas lourd. Donc là, il y a toutes les parties de l'établi que Alexis Mzoyo Karcher qui sont en train de sécher au soleil depuis tout à l'heure. Voilà, il y a tout le bazar du garage qui est dehors. Donc David va s'apprêter à... Putain, c'est le parcours du combattant. C'est le Koh-Lanta du... C'est le Koh-Lanta. Donc le but du jeu, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est de peindre... le garage. C'est ça. On va avoir fait un petit coup. Hein. Maintenant que j'ai nettoyé... C'est juste un petit coup de rafraîchissement. Ouais. Ça va comme... Bon, c'est sale, mais c'est un garage, quoi. Ouais, c'était acceptable. Tu vois, tu mets juste un petit coup comme ça, histoire de... Tu vois, hop, un petit machin comme ça pour pas s'emmerder à mettre du scotch. Hop, nickel. C'est la technique garage, c'est pas la technique habituelle. Et ils sont beaux les trucs que t'as mis par terre là. Ouais. Et cette de table, t'as mis ça pour la peinture quoi. Ouais, c'est des vieux. Ils sont sympas, bon appétit, avec des... Comment s'appelle ? Oui. Je trouve pas le nom, non. Ouais. C'est des sets de table. Oui, mais tu sais, le... comme des codes-barres, voilà. Oui, les codes-barres. Là, c'est juste pour donner un peu de blanc, enfin... De couleur. Et après tu vas le remonter sur l'établi? Ah bah ouais hein. Et tu ouais. Je vais essayer de... Tu vas galérer non? Je finis ça, puis après je verrai comment... De toute façon tu peux pas... Au pire tu ranges les trucs dedans. Ouais. Quoi qu'il va pas pleuvoir mais... Enfin voilà. C'est vrai que c'est vraiment pas sale parce que je vois le temps non. Pas. Bien. Là j'aime pas par contre. Pourquoi ? Je crois que... C'est pas grave, mais... C'est dégueulasse. Les endroits qui sont plus sales que d'autres, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Ah oui, donc... C'est juste des traits, quoi. Ok, voilà. On avait tiré le store ce midi parce que ça cogne. C'est vraiment des températures très très chaudes cet après-midi. Moi perso je kiffe hein, donc. Puis comme je peux me mettre à l'ombre, c'est génial. C'est vraiment top. Top top top. Voilà, donc là ça c'est... Donc David a décidé de peindre en gris. Donc ça c'est la base de l'établi. Hein. C'est
C'est la table de l'établi. Après, il y a tous les machins orange là-bas. Quoi ? C'est tous les plans. Les plans de travail, on va dire. C'est ça. Exactement. Le bas, le principal et les deux petits étagères. C'est génial. Ça va sécher vite là avec ce soleil. Ça, c'est surtout cette peinture. C'est spécial. C'est... T'as plus de peinture rouge ? Si. Ah ouais ? Mais j'en ai. La même spéciale pour cuisine. Mais je ne vais pas faire du rouge. Non, non, mais c'était. Parce que c'est déjà orange, ça fait un peu. Oui, non, ça va faire. Ça aurait pu, hein. On s'en fout un peu dans le garage. Moi, je voudrais que ce soit sympa. Pour moi, ouais. Pour bricoler, j'aimerais bien que... Ça, moi, j'aimais bien rouge, je sais pas. Non, mais c'était parce que c'était une blague... C'est bien ? Ah non, pas avec le truc orange. J'aurais pu mettre... Mais on s'en fout, mais c'était parce qu'en fait, comme t'avais de la peinture rouge et que tu repeignais tout en rouge pendant un temps. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Ok, voilà. Je mettrai une deuxième couche, puis après, je vais remonter l'établi. Alors, il faudrait que j'arrive à peindre, tiens, ça... Sans en mettre sur le truc. Voilà. C'est ça, sans en mettre partout. Alors après, ça serait pas grave, mais c'est que ça va coller au pinceau ensuite. Donc il faut que. Donc voilà. Ouais. C'est une occupation. Oui. Du corps et de l'esprit. Hein, David. Exact. Ah, si j'ai. Voilà, leur montage est en cours. Ah, le sèche-linge, il est revenu ici. Je relance correctement. Voilà. On va remettre la planche en espérant qu'elle soit sèche. Sinon, on va devoir attendre. Hop, voilà. Donc j'ai pas filmé le reste du montage parce que fallait que je tienne, parce qu'en fait il n'y a aucune vis. C'est que de l'enclipsage. Oh putain. Il n'y a rien. C'est content. Et ça, c'est toi que tu l'avais fait, ça, hein ? Oui, c'était une lumière. Voilà. Super en gris. En gris, c'est bien. Hein. C'est génial. Bon. Et ça, c'est une lumière que David a fabriquée, qui se casse la gueule, là, en l'occurrence. Là, ça faisait ça. Voilà, ça permet. Bon, sauf qu'il n'y a qu'une qui s'allume. Ouais. Pour cause. Donc voilà, il avait fabriqué ce bandeau de lumière. Là. C'est des LED. Non. Oh, c'est beau. Faut que je le répare. C'est magnifique. Ouais, c'est. Donc c'est un peu gondolé les planches. Oui. Bon, après, c'est un truc, c'est un établi qui est très vieux. Hein. Ça fait plus de 20 ans que tu l'as. Ouais. Donc voilà, et le fait d'avoir repeint en gris les planches, bah, c'est pas mal. C'est cool. Donc là, j'ai pas pu filmer le montage de là parce qu'on a dû le tenir à deux. Sinon, ça passait pas. C'est cool. Voilà, donc David est en train de ranger du tri. Tac, tac, tac. Ça voilà. Va peut-être m'en servir tout à l'heure. Et vu l'heure, il serait peut-être temps qu'on aille prendre une glace. Ah oui. Dehors, de l'autre côté. Tout de suite. On est parti. Ok. Bon, je rentre, je l'appelle Alexis. Je vais ouais. Et j'arrive. Et on se retrouve on the other side. J'ai mis mon chapeau de fermière parce que il fait grave chaud. De ouf. On va aller prendre la glace de l'autre côté. Alexis ? Quoi ? Tu veux une glace ?
Il y a des Mars glacés, des sneakers. Glace, un cône vanille, cône chocolat. Tu veux un cône chocolat? Ok. Cool. Allez, let's go. Bon, David s'est trouvé un nouveau jeu. Donc, il creuse un trou, là-bas. Et là, regardez. Il découpe. Comme ça. De façon minutieuse. Enfin, de façon carrée. Voilà. Et il replante aussi sec. Voilà. Je remets la terre ici. Ça, voilà. C'est que du compost. C'est vrai que ça... Donc, il découpe des carrés, enfin, mais vraiment propres, quoi, qui replante. Là, ces salades-là, elles sont belles, hein. Elles sont super. Tu rajoutes. Je vais en mettre un là. Oups, excuse-moi. Non, ça va, c'est toi. Elles sont belles, celles-là. Elles vont être bonnes. Elles sont encore petites, mais... Donc voilà. T'avais pas assez travaillé aujourd'hui, je pense. Non. Alors. Hop. 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 Ah. Ah, c'est raté, là. Oui. Ah, c'est raté, là, David. Je suis raté, putain. Catastrophe. Là. Trouver un autre coin secret entre les deux serres. Enfin voilà. Le moindre espace est rentabilisé, on va dire. Utilisé, plutôt. Rentabilisé, c'est le mot. Petit mais costaud jardin. Hein? C'est bien quand même. Je vais commencer, tiens. Tu sais que t'as encore 4 semaines de confinement, pas trop. Oui, c'est vrai. Je vais quand même les mettre, ouais, tout ce que je peux mettre, tiens, tu vois. Donc voilà. Il est rachitique. Ah, parce qu'elles vont se développer. Mmh. Voilà, voilà. Petit jeu du soir. Espoir. On continue le découpage. On a changé d'endroit. Merde. Les verres. J'ai mis un petit peu de... Parce qu'on le voit. D'herbe pour bien garder l'humidité. Ça marche bien. Hein. Normalement, il ne faut pas laisser la terre à l'air libre comme ça. Il faut la couvrir. Ce que je vais faire de l'autre côté. Oula. Donc c'est pas facile. Voilà, c'est bon. Puis là on a le compost. Voilà, voilà. C'est du boulot tout ça. Hein? Oui. Ça va. T'aimes bien? Oui, oui. Ça te détend? Ouais, c'est bien. C'est sympa, ça. Ça te détend puis ça te donne des résultats surtout. Ça donne des résultats. Et voilà. Bon bah écoute. C'est bien tout ça. Tu vois les verres, rien. Lui là, regarde, il a un bizarre. T'as vu comme il est bizarre, ce vert. Oh. Tu vois, ça les verts, ça aide à. Donc déjà, l'humus là, ça aide à garder la terre à l'humidité. Et en même temps, les verts, tu vois, ils travaillent. Il fait mon rôle. J'ai pas besoin de biner.
Ok. Très bien. C'était des esclaves, quoi. C'est un peu, mais oui. T'es larbin. Ils travaillent pour eux, mais ils travaillent pour moi aussi. Sans le savoir. Voilà. Exactement. Donc voilà. Des transplantations, toujours des transplantations. Petit bonheur du soir. On est bien là parce qu'il fait bon. Et il fait plus chaud, mais il fait bon. C'est super agréable. Hello tout le monde, nous sommes vendredi 17. Oui, c'est ça, 17 avril 2020. Il est 9h moins le quart. Je viens de prendre la douche, de m'habiller. Je vous répète la même chose tous les matins, mais forcément, c'est ce que je fais tous les matins. Le temps est un petit peu grisou ce matin. Bon, il est encore tôt, mais un peu moins éclatant que les autres matins. Mais d'après ce que je vois, il va faire beau cet après-midi, parce que je vois sur mon appli météo, pas dans le ciel, quoique. Donc voilà, donc on verra bien comment ça évolue au cours de la journée. Aujourd'hui, rien de... je me marre quand je dis aujourd'hui rien de spécial, comme si les autres jours il y avait des trucs de spécial, mais... voilà, hier j'ai filmé pas mal de... Donc la partie précédente du vlog sur le garage, le jardin, tout ça, donc... mine de rien, je m'en rendais pas compte, mais ça fait pas mal de contenu déjà, donc cumulé aujourd'hui où il se passera que dalle, bah ça va faire un vlog quoi. Donc aujourd'hui vous attendez à rien, ce sera juste déjà cette intro, et puis après on verra au cours de la journée ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Plutôt ce qui ne se passe pas aujourd'hui, je pense, ça va être relativement calme. J'espère juste pouvoir profiter un peu du jardin cet après-midi. Voilà. Alexis dort encore, je pense qu'il n'y a pas trop d'air à se lever. C'est une intuition. C'est pour ça que je parle pas très fort et que j'ai fermé la porte. Et puis voilà. Je vous dis à tout de suite, ou à tout à l'heure, ou à plus tard. Oui, il est 10h30, c'est cool, le soleil arrive. C'est génial. David va finalement. Enfin, je dis finalement, mais. Tondre ce matin, donc voilà. Ce sera sa petite activité, n'est-ce pas, du matin. C'est cool. Toujours un truc à faire. Aujourd'hui, comme il m'a dit, c'est du petit... des petites activités, voilà. Enfin, parce que quand il a refait la cuisine, quand il a refait le garage, la petite pièce, c'est des activités qui ont pris toute la journée, quasi, ou voire deux jours, et alors que là il fait des petites activités ponctuelles qui prennent entre guillemets pas beaucoup de temps, mais il peut faire plein de petits trucs en fait. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris en fait, donc je vous dis que j'étais un peu perdu dans les congés de tout le monde, enfin de tout le monde, des miens ça va, mais David je savais plus trop, et donc là il est en congé là actuellement jusqu'à ce soir, et il reprend lundi en fait il me semble, voilà. Et je crois que la semaine d'après, lui, il sera de nouveau en congé. Enfin, un truc comme ça. Enfin, ça peut encore changer parce que voilà. Alors que moi, je suis en vacances encore jusqu'à la semaine prochaine. Compris. Toute la semaine. Donc voilà. Je vous ai dit que ça serait une journée calme aujourd'hui, il est 15h30. Donc à part la tondeuse ce matin, il ne s'est rien passé de plus de transcendant. Alexis a fini ses devoirs pour la rentrée et même pour quelques jours suivants. Parce que nous, la rentrée, c'est le 20, lundi. Donc.
David est sur des trucs administratifs. Et moi, comme d'hab, the gland éternel. Bon, je fais quand même des lessives, des trucs comme ça. Hein. Je vous rassure. Mais voilà, rien de transcendant. Comme le vlog est déjà pas mal long, je trouve, je vais clôturer là. De toute façon, a priori, il ne se passera rien de plus cet après-midi. Si évidemment, il devait se passer un truc de ouf, je reprendrai bien évidemment la caméra. Ne vous inquiétez pas, je suis open. Je ne suis pas trop débordé, donc je pense pouvoir le faire. Mais je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit. Ni travaux, ni... I don't think so. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.